So I used journey to go to Europe. From Gambia, I start traveling to go to Algeria. I passed through Algeria to go to Libya. So since I stopped there, they kidnapped me there and put me in jail. So I spent 15 days in jail. After leaving me, I start working with one Arab man. One day, he started sending some criminal to me. So those people, they attacked me and took my money, and they started beating me there. You see, it's very hard beating there. See, one day, the policemen come, they knock the door with their guns. The door fall down. The police arrest me in my house. They come and throw us in the desert there. IOM people come to desert. By that time, me, I cannot walk. They can just only carry me like this. So they come with their ambulance. Ambulance took us to go to IOM camp in Akadis. Large numbers of return of both non-Nigerian as well as Nigerian migrants. And a lot of these migrants are very vulnerable and they need support from IOM and other partners. We work with multiple partners in different locations in Niger to make sure that migration is managed in a proper way so that the needs of migrants are addressed, but that also the government of Niger is capacitated to better deal with these migration flows. Part of this response is the search and rescue component that we mainly do in the northern region of Niger in close partnership with the civil protection. La venue de l'OIM a trouvé que déjà les militaires nigériens faisaient de la recherche et sauvetage des personnes perdues, mais il manquait l'aspect secours. Parce que les militaires maîtrisent bien ces déserts, mais la prise en charge des personnes en détresse n'était pas une capacité qui était là dans intégrer le dispositif militaire. L'OIM et la protection civile en sortent deux fois par mois au moins sur le terrain pour faire des missions, voir s'il y a des migrants ou pas. Au-delà de ça, il y a les missions qui sont menées sur la base d'un appel de détresse des migrants. OIM ne va pas rester éternellement au Niger pour faire cette mission. Donc il faut de créer des capacités nationales. L'OIM nous accompagne pour que les capacités soient améliorées pour une meilleure prise en charge du phénomène. Of these migrant resource centers is to address the risks of illegal migration, and they provide counseling support for migrants who are in need for the psychosocial support, provide medical assistance, and provide assist voluntary return and reintegration. During the COVID-19 pandemic and the lockdown, the migrant resource center, there was distribution of SMS messages awareing the migrant about the COVID-19 and how to protect themselves. There was distribution of personal protective equipment for migrant communities and emergency food distribution for migrants who lose their jobs. When implementing assisted voluntary return and reintegration, we collaborate with the government of Sudan and we collaborate with migrant embassies of country of origin in order to verify nationality of this migrant, as well as to provide necessary documents like passport or emergency travel certificate. Okay, you want water?
የአየር ንብረት በአማራ ክልል ላይ የተለያዩ ተጽዕኖች እያሳደረ ይገኛል። እነዚህም የመሬት መንሸራተት አለ፣ የጎርፍ አደጋ አለ፣ ድርቅ መስፋፋት አለ፣ የእንስሳቶች መሞት አለ። እንዲሁም የመሬት መንሸራተት ሲኖር የተለያዩ የሰብል ማነስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። ለአየር ንብረት ለውጥ ህብረተሰቡ የሚሰጠው ምላሽ ከገጠር ወደ ከተማ መፍለስ፣ እንዲሁም ከአካባቢ ወደ ተለያዩ አረብ ሀገራት በህገወጥ መንገድ መፍለስን። እኛ የሀብሮ ወረዳ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ በዚህ ፕሮጀክት እየተሳተፍ ነው። በወረዳችን ያሉ የአረብ ሀገር ተመላሾች ፕሮጀክቱ የሚያካትታቸው ተግባራት 50 ሄክታር የሚሆን ቦታዎችን የተፈጥሮ ሀብት ስራ ይሰራል። የአካባቢ የተፈጥሮም ሆነ ተፈጥሮ ያልሆኑ ደኖችን በመትከል ህብረተሰቡ እዛው እየተንከባከበ በርሃማ የነበረውን ቦታ ወደ ተፈጥሮ ሀብት መመለስ ወይም ልምላሜ እንዳደርግ የተለያዩ ስራዎችን ተሰርቷል። የሪኢንተግሬሽን ፕሮግራም አለ። የአረብ ሀገር ተመላሾችን መልሶ ማቋቋም በፈለጉት የስራ መስክ ባዮ ወይም የገንዘብ ድጋፍ በመካኒዝ ፈጻሚነት የፕሮጀክት በመጀመሪያ ጊዜ ሲገባ ብዙ እንደዚህ ይጠቅመናል የሚል አሳሰብም የለኝም ነበር። ከገባ በኋላ ግን በውስጡ በርካታ የአረብ ሀገር ተፈናቃዮች በራብ የተጎዱብን በቦታው ላይ አሳተፈልን። ሲያሳተፈልን በቀን ስራ ሰርተው ከፍተኛ ገቢ አግኝተው ኑሯቸውን ለማሻሻልም ደርሰዋል። የአረብ ሀገር ተመላሾች በዚህ ስራ ላይ በመደሰት ከድርጅቱ ጋር ያላቸው ተስፋ የባለቤትነት ቁርቋሪ አላቸው። ወደ ውጭ መውጣታቸውንም አዲበው ተረጋግተው የመቀመጥ ሚናም አላቸው የሚል ነው። ፕሮጀክቱ ቢያውንስ አፈር እንትን ማለት እንደገና ልማት ማልማት ውሃ ዛፍ ምናምን እንትን ማለት ያው ማጠጣትም ሆነ ማፍላት እነዚህን የመሳሰሎቹን ነገሮች ያቀርባል፣ ያው ያስተምረናል። ስለ መሬት ደግሞ ህዝህ ልማት ማንጎም ሆነ አቮካዶ ተሰጥተናል። በየራ እርሻችን ልናለማ ማለት ነው። ምሳሌ እኔ ወደ 60 ፍሬ ወስጄ 50 ፍሬ ለምቶልኛል። በቃ ወጣቱ በእኛ እየተደሰተ ነው፣ እንደገና ከኛ እየተማረ ነው። ስደት አሁን ሙሉ በሙሉ እየሄዱ ነው ብያለ አላስብም። በምን ምን ብባል ከዛው ከሀገራችን ሰርተን በመለወጥ እያዩ ነው። የማጣት ነው ወደ ሰው ሀገር የሚያስከድን። እኔ ከሰራሁ እህት ወንድሞቼ ወይም ህብረተሰቡ ከእኔ ታይቶ ከዛው ሰርቶ የመለወጥ ሞራን ይኖረዋል። Muna da manyan atamfofi, muna da ƙananan atamfofi, har da TC atamfa muna saidawa ga su nan fura. Da farko dai sunana Saratu Muhammad. Wanga shago namu abinda muke saidawa ga su nan atamfofi ne muke saidawa na mata. Kuma muna ɗimki, an ka saye atamfa wajenmu in kana so, kuma akwai mai ɗimki nan furin za ka ganinta mace ce take ɗimki ba namiji ba. Za ta iya dumka maka kayanka. Muna an tallafa mana, OEM ta tallafa mana, gashi muna kasuwanci. Ni gaskiya yanzu mun fi jin daɗi. Da muke zamana cikin ƙasanmu, gaskiya mun fi jin daɗi. Ga mu zamana cikin ƙasanmu, cikin danginmu. A gaskiya muna ganin hasken abin, insha Allah. Muna so nan zuwa gaba, shekara, wata biyar, fiye da wata biyar ko shekara ma, ko shekara biyu. Muna son nan furin ya bunƙasa ya zama to babban shago na mata yadda ma wa in ga kaya. Réintégrer une personne qui a passé plusieurs mois voire des années en dehors de son pays et qui revient, le réintégrer dans sa communauté ou en tout cas dans son pays, c'est le point le plus important de l'initiative conjointe et c'est aussi le plus challenging. La réintégration, comme nous l'entendons à l'OIM, n'est pas simplement économique. Elle commence d'abord par
apporter une stabilité mentale. Avoir un échec dans son parcours migratoire n'est pas quelque chose de facile à vivre. On a besoin d'accompagnement, on a besoin d'être remis en selle. Et parfois, au-delà de l'échec, il y a des expériences traumatisantes que ces gens ont vécues. Je me nomme Sidibé Moussa, migrant de retour, chef d'entreprise. J'ai passé pratiquement un an en Algérie. Je vivais dans la clandestinité, vu que je n'étais pas en sécurité. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Mon retour n'a pas été facile parce que j'étais déjà l'objet de moqueries. Il y a d'autres qui me traitaient d'incapable parce qu'il y avait des jeunes comme moi qui sont arrivés à traverser la Méditerranée ou tout ça. Et moi, pourquoi je n'ai pas pu? Nous, à son entreprise, on a constaté qu'il y avait des préjugés sur le phénomène de la migration. Alors nous, on a dit que pour briser cela, ces migrants-là pouvaient être réhabilités socialement et psychologiquement dans les sociétés, mais à travers des projets d'intérêt communautaire. Et on a décidé de faire une formation conjointe migrants et jeunes des communautés. Cela a permis de changer la vision que la communauté se faisait vis-à-vis des migrants. L'image que j'avais des migrants avant ce projet, bon, franchement, je les voyais des gens qui ont raté leur vie. Maintenant, après ce projet, bon, je vois qu'ils ont beaucoup de talent, franchement. Ils ont des talents cachés, quoi. Durant la formation, je pourrais dire que j'ai appris la maçonnerie, l'électricité, la menuiserie, la peinture. Et en dehors de là, il y a le volet social qui est là. J'étais entouré de bonnes personnes. Ça m'a donné une confiance en soi. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Après la formation, les gens ont commencé à croire en moi. Et petit à petit, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Le soutien psychosocial fourni par l'OIM comprend l'approche communautaire et sociale, mais aussi le soutien psychologique individualisé. Il y a certaines catégories de migrants qui font face à des vulnérabilités particulièrement accrues, telles que les enfants. Pour les enfants, dans le contexte de la migration en Afrique de l'Ouest, beaucoup de mineurs prennent la voie migratoire tout seuls et ils doivent faire face, lors de leur parcours migratoire, à des difficultés. Ils sont victimes de traite, souvent ils sont exploités. Ils font l'objet de violences. Le soutien psychosocial fourni par l'OIM permet aux migrants de retour de faire face aux difficultés qu'ils ont vécues lors de leur parcours migratoire, mais aussi les difficultés qu'ils peuvent être amenés à vivre dans l'avenir. La Guinée est très connue pour tout son art de danse et de cirque. Le cirque Tinafon, c'est pour que les jeunes se retrouvent ensemble. Ils socialisent, ils se connaissent, ils échangent. C'est aussi une manière de parler de la réintégration, mais d'une autre manière. Un peu aborder la question plus sociale, plus culturelle. Et c'est surtout pouvoir partager avec nous ce qu'ils n'arrivent pas à partager avec d'autres personnes. Et puis se retrouver avec des gens qui ont parcouru qui ont fait le même parcours qu'eux. À côté de ça, il y a pour les mineurs non accompagnés les psychothérapies de groupe qui permettent aux mineurs non accompagnés d'également parler entre eux avec la psychologue de l'OIM et de mieux faire face à ce qu'ils ont vécu.
la psychologue de l'OIM peut intervenir à travers ce qu'on appelle des séances de médiation familiale, où il s'agira de faciliter la discussion entre le migrant et sa famille pour essayer d'impliquer la famille dans la résolution des problèmes et des difficultés auxquelles peut faire face le migrant. Depuis mon retour avec mes enfants, nous avons changé parce qu'on a beaucoup souffert, quoi. Le retour, ce n'était pas facile, mais maintenant, depuis qu'on est rentré en Guinée, au pays, ça va maintenant. Il y a du mieux avec l'OIM, tout a changé. L'OIM m'a soutenue avec la nourriture, le logement. Nous, on se sent en sécurité, quoi. Depuis notre retour, on se sent en sécurité avec les enfants. Au-delà de l'apport de l'appui psychosocial, il y a toute une structure d'assistance qui est faite avec le ministère de l'Action sociale et aussi d'autres partenaires tels que l'UNICEF et d'autres personnes pour apporter une protection bien plus solide à ces gens, ce qui n'était pas encore une fois le cas précédemment. Un partenariat a été signé entre l'OIM, l'UNICEF et le ministère de la Protection afin de renforcer ce mécanisme de protection, notamment vis-à-vis des personnes avec des vulnérabilités plus accrues, les femmes, les enfants en bas âge, et les hommes qui sont peut-être dans des situations, on va dire, handicapées ou de maladies très graves. Tous les jours, on apprend que nos jeunes sont en train de mourir dans la mer, dans le désert et dans les prisons. Et ça, ça nous fait extrêmement mal. Et l'État seul ne peut pas tout gérer. L'État a besoin d'être accompagné. Et c'est pourquoi nous saluons, au nom de M. le ministre des Affaires étrangères et des Guinées étrangères, toutes les actions de l'Union européenne à travers l'Organisation internationale pour la migration. Nous sommes entièrement disposés à faire de sorte que le processus entamé se renforce parce que la jeunesse en a besoin, parce que l'État en a besoin et parce que ça fait partie de la dynamique de coordination des actions dans le cadre du renforcement de la gouvernance de la migration. National Health Insurance Fund is a governmental organization aims at including all Sudanese residents under the umbrella of health insurance. Migrant returnees faces challenging economic situations and the healthcare services really is escalating and having high costs. But National Health Insurance Fund and EU IOM joint initiative collaborate to offer the health insurance coverage to migrant returnees, having a wide spectrum of healthcare services that is offered free of charge, including consultation visits, laboratory investigations, radiological investigations starting from X-ray, CT scan up to the MRI, and also the surgical operations. All these are covered without paying anything. And the beneficiaries pay only 25% of the medicine bills. By so doing, National Health Insurance Fund alleviate the burden on the shoulders of all migrant returnees and their families. Up to October 2020, National Health Insurance Fund and IOM succeed together in enrolling 1,184 migrant returnees. In addition to that, 791 of their dependents under the umbrella of Health Insurance Fund. Le plan de réintégration obéit à au constat de la multiplicité des acteurs qui interviennent dans le domaine de la migration et donc à la difficulté de la coordination de l'action sur le terrain. Il était important qu'on ait un document global de stratégie qui va dire à part chaque ministère quelle est la contribution de chaque ministère dans le dispositif de retour des migrants plutôt que d'attendre d'avoir la personne qui est de retour et d'essayer de voir à quelle structure s'adresser. Le plan de retour est une sorte de manuel qui va répondre aux difficultés de coordination de l'action ou de la prise en compte du migrant qui est de retour.
እሱ አጠቃላይ የፍልሰት አስተዳደር ላይ እንደነል ሪኢንተግሬሽን ስራዎች ላይ እንደነል እና ሌሎች ላይ የምሰጠው አስተዋጽኦ በመሄበት ደስ ሰፊ ነው የመጀመሪያ ለምሳሌ ስናየው የፍልሰት አስተዳደር ራሱን የቻለ ሲስተም እንደሆነ ያደርጋል ሲቀጥል ደግሞ የተሰሩ ስራዎች በተገቢ ሁኔታ ክትትልና ድጋፍ ስለሚደረግባቸው በተሻለ መንገድ መረጃ እንድንይዝ እድሉን ይሰጣል ኤስኦፒ ሚናው ሰፊ ነው የሚል እምነት አለኝ This partnership brings together the European Union, the African Union and the UN, which are three different actors that bring in different skills and different perceptions of migration. And by working together with IOM and UNHCR, we have all the expertise and all the different approaches to migration to really be effective in all the needs of migrants and refugees. It has contributed to improve the lives of tens of thousands of people and also of their communities. Since the beginning of the program, around more than 50,000 people who were stranded in Libya and wanted to return to their home places have been able to do so, thanks to the support of the program, and they have been supporting in their reintegration. I really feel to go back to home so that I can able to have some do some business for myself because for my life because tomorrow I'm also going to be a family man. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Je me vois toujours en Côte d'Ivoire bien sûr. Chef d'entreprise et vivre pleinement ce que je sais faire. Voilà. Bon, je dirais que cette formation m'a apporté beaucoup de choses. Comme dirais-je, ça m'a apporté, je suis indépendante aujourd'hui. C'est-à-dire que je travaille comme des hommes, auprès des hommes. Voilà, je fais ce que les hommes font aussi. Pour ça aussi, c'est une fierté pour moi. Il faut comprendre que la migration est là pour rester. Et que ce qui est important, c'est de la mettre en conformité avec les lois internationales, en conformité avec les lois des pays de départ, en conformité avec les lois des pays de transit et aussi en conformité avec les lois des pays d'accueil. We would like to appreciate with great deal the partnership with EU IOM joint initiative. And we are looking forward for more collaboration and more initiatives in this regard. I would say that it is important to look at the migration situation in a comprehensive and integrated way, to follow the whole cycle of the life of migrants and refugees, and paying special attention to those who are in a situation of vulnerability. Those who have taken the choice of returning to their own country need to be supported in the reintegration in their own communities. This is important for their own communities, this is important for the country of origin, and this reintegration can be a part of the development of these communities. Migrants who are among the most dynamic and the most active members of a community can become extremely important actors for change in social and economic terms in their countries and communities of origin.